Coucou. Salut-vous mes chers abonnés, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud, avec enfin les débuts officiels du groupe T419. Je trouve un peu ce nom de groupe un peu space, mais bon, voilà. J'ai vraiment hâte de découvrir vraiment leur début officiel parce que j'ai adoré leur pré-début avec le titre Dracula. J'avais réagi sur mon ancienne chaîne à cette MV, mais également avec tous les MV dance performance qu'ils avaient sortis, et franchement c'est un groupe qui est très talentueux, surtout au niveau danse. J'apprécie aussi beaucoup le rap et leur voix, donc franchement j'ai hâte de voir ça. J'ai vu sur certains sites communautaires qui disent que ouais, il y a des plagiats avec un certain MV des Blackpink, mais les gars, arrêtez de regarder plagiat. Rien que pour leur début, vous les faites déjà un petit peu chier royalement. À la fin, il y a tellement de concepts qui a été mis en avant, etc. D'office, on va trouver des similitudes. C'est pas parce que Blackpink et BTS sont super connus dans le monde entier que quand il y a des petits groupes rookies mais qui sont super talentueux, que vous devez directement faire des amalgames, etc., des comparaisons, enfin, je sais pas, juste apprécier. Vous avez de la bonne musique dans votre pays, je vise pas spécialement une personne ou autre, mais s'il vous plaît, regardez juste de jeunes qui sont talentueux et appréciez leur talent, tout simplement. Voilà ma longue parenthèse, et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Déjà, j'ai pas su m'empêcher de voir leur teaser, et je fais oh, 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 oh. C'est déjà puissant dès le début. Rap, mais génial, parfait, rien à redire. Look super également. C'est puissant. C'est très badass, tout ce que j'aime. C'est ce qu'on retrouve dans leur performance dance et même dans Dracula. Hein. Et on voit qu'ils sont dans la continuité. Hein. Et toutes ces flammes, ce côté mystique. Hein. Oh. Pas venir du tout ce refrain. Intéressant. Et ce logo, comme un sourire, mais magnifique. Je suis un peu moins fan du refrain pour le moment. Là, j'aime bien. Yes. Oh, très beau ça. J'aime beaucoup leurs tenues colorées, c'est assez spécial. Oh, ça lui va bien cette coiffure. J'ai trouvé la partie que j'aimais bien, je pense. Faut que je m'y fasse, là. Enfin, franchement, que je m'y fasse, que je m'y fasse. Ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve toujours ce contexte, donc froid, feu, yin et yang, on pourrait... Oh, il est trop cute. Mmh. Oh,
attention. Oh. Waouh. J'ai hâte de voir quand même l'entièreté de la chorégraphie en live. Hein. Ça doit être puissant. Oh, Asura Balbalta. Eh bien, écoutez, moi je trouve que c'est vraiment un très très bon début pour ce groupe. J'ai déjà adoré la chorégraphie de ce qu'on a pu voir dans le MV. Très belle cohésion groupe, franchement une très bonne synergie. J'ai adoré, très puissant. J'aime beaucoup leur expression également. Ils ont ce côté très badass, mais en même temps bad boy, mais un peu cucu, la praline. En même temps, ils sont jeunes, j'ai envie de dire. Après le MV, j'ai beaucoup aimé les deux éléments où on voit vraiment le feu qui est très présent et puis la glace un tout petit peu. Les plans floraux, c'était un peu bof bof pour ma part. J'ai pas trop compris pourquoi. Peut-être qu'ils auraient dû peut-être continuer dans les éléments, pas que l'eau et le feu, peut-être l'air, la terre, ou ouais, peut-être que je m'éparpille. Mais oui, la chanson, j'ai beaucoup apprécié. Peut-être que pour le moment, je suis plus accrochée au couplet qu'au refrain. Les refrains, j'ai un peu du mal. Je comprends pas ce rythme soutenu et puis bam bam bam. Il faut le temps, peut-être que si je l'écoute plusieurs fois, je vais peut-être plus l'apprécier. Mais pour ma part, franchement, c'était un beau visuel quand même. Que ce soit visuel MV, visuel des membres, j'ai aimé leur tenue, leur make-up, leur cohésion de groupe, comme je disais, cette synchronisation lors de la danse. Enfin, je trouve quand même que c'est un très très bon début pour ce groupe. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si de 1 vous connaissez ce jeune groupe, est-ce que vous avez apprécié leur nouvelle MV et leur chanson. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos et surtout prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Nara.